Je m'en vais faire une heure de conduite. Je ne sais pas ce qui m'a pris de mettre une heure de conduite à 8h du matin, sachant que je me suis endormie à 1h30. C'était un bon réveil. Hier soir, le dernier truc que j'ai dit à Alex avant de m'endormir, c'est quoi déjà les feux quand il fait nuit? Il m'a dit, mais il fera pas nuit demain. Tu parles. J'avoue que il commence à faire jour, mais c'est pas encore ça. C'est un peu froid hein, quand même. A few moments later. Il est actuellement 9h12, je suis rentrée de mon heure de conduite. C'était sympa. Première fois où je change les vitesses, j'ai pas encore le pied sur l'embrayage. J'ai mon code depuis un an et j'ai commencé la conduite il y a 2 semaines. Donc là je suis à ma 4e heure. Et normalement pendant les vlogmas j'ai encore 5 heures de prévu jusqu'à Noyau, enfin jusqu'aux vacances. En tout cas que je parte de Paris. Je le passe en manuel à Paris, voilà, niveau difficulté plus. Mais franchement je kiffe, c'est un petit kiff. Voilà, je suis plutôt à l'aise. Bon, en même temps j'ai pas encore toutes les commandes. Enfin, en vrai, il me reste principalement l'embrayage. And that's it. Mais tranquille, c'est que ma 4e heure. En tout cas, le prof d'aujourd'hui m'a dit que j'étais très appliquée. Je l'ai très bien pris. Je crève de froid. Genre, vraiment, je suis rentrée, je me suis posée et je n'ai pas enlevé mon manteau. Je suis allée en survêt ce matin. Je peux vous faire ma tenue du jour, mais c'est pas folichon. Hein. Je sais même pas si je vais me maquiller aujourd'hui. Enfin, je vous montre. Bon, déjà, j'ai ce manteau que j'ai mis hier que j'adore. Brownie. Ça, c'est brownie aussi. Très sympa. Petite marinière, elle est noire. À savoir, alors on pourrait penser qu'elle est bleue, mais non. J'ai mis mon cher et tendre survêtement bleu marine en velours, très sympa, de chez Carhartt, que j'adore, et mes Adidas Forum qui sont un peu défoncés, mais voilà. Outfit of the day. Pour ceux qui veulent savoir, mes lunettes c'est des Jimmy Fairly, et ma tête ça vient de Friperie. Putain, qu'est-ce que je suis drôle le matin. En faisant ma petite tenue du jour, je vous appelle quand j'enlève mon manteau parce que là ça c'est pas prévu pour tout de suite. Je viens de voir. J'ai reçu gentiment un calendrier de l'Avent de chez L'Occitane. Et en fait bah, je voulais garder la surprise. Je vous avais partagé en story le packaging, mais je n'ai pas ouvert. Je suis quelqu'un qui adore les surprises. Je déteste me gâcher les surprises. Du coup calendrier de l'Avent, on va ouvrir la première case ensemble. J'ai trop hâte de voir ce que c'est. Sachant qu'en plus L'Occitane, j'adore cette marque. Petite joie de la matinée, on adore. Le truc est énorme. C'est le seul calendrier de l'Avent que j'ai. Donc on va l'ouvrir tous les jours ensemble. J'ai pas acheté de calendrier de l'Avent normal parce que, fun fact, je suis pas très chocolat. Du coup, merci L'Occitane. Donc il s'ouvre comme ça et il faut que je trouve le numéro 1. Déjà, les odeurs L'Occitane, j'adore. Qu'est-ce que c'est? Ouh, crème corps ultra riche. On est sur un format carrément généreux, je trouve. 50 ml, j'adore. Il est trop mignon en plus. Je vais l'ouvrir. Ça sent pas grand chose, mais pour moi ça sent L'Occitane. C'est joli, j'ai envie de le laisser comme ça. Moi je suis de la team qui était un peu addict à la crème pour les mains de chez L'Occitane. Et surtout ma mère en avait toujours une dans sa table de chevet. Vous aussi votre mère elle avait la crème pour les mains de chez L'Occitane? Non, parce que moi quand je venais dire bonne nuit à ma mère, je lui piquais la crème. Il faudrait que je m'en rachète une. À moins que je dis ça à tout moment. Il y en a une là-dedans. Je vais peut-être enlever mon manteau un jour et je vais me refaire un café. Parce que celui de ce matin n'a pas suffi, je vous avoue. Et je vais me mettre au montage parce que bah, j'ai pas fini de monter la vidéo de hier. Enfin, que vous allez voir du coup ce soir. Tout simplement parce que j'ai terminé le vlog de Fuerte que vous allez voir samedi. Et là, préparez votre petit thé. 30 minutes de vlog, très sympa. Très très sympa. Petit surf trip, très sympa. Non, en vrai, la vidéo est trop cool. J'espère que vous allez kiffer. En tout cas, moi j'ai kiffé à la filmer, à la monter. C'était un peu long. En ce moment, je suis très vidéo longue. Hein. J'espère que vous regardez tout. Ouais, ouais. Je vous vois. Sinon, ça va vous? Cool, c'est que hier on a eu un vlogmas super fun, aujourd'hui un peu moins. Vous savez quand hier j'ai dit oui, je me suis réveillée pas très bien, j'espère que je vais pas tomber malade, et bien little did I know que ce matin c'est pire. Je pense que le fait d'avoir dormi 5 heures n'aide pas non plus, plus les ouvriers en face de chez moi qui me démontent la tête là avec leur bruit, c'est cata. Je suis genre archi faible, c'est un peu chaud là. Je vais prendre genre un doliprane ou un ibuprofène ou je sais pas quoi pour ma tête. Et je m'étais dit que j'allais aller chercher McDo, mais est-ce que McDo c'est très réconfortant? Limite je me chauffe sushi avec une petite soupe miso, tu vois. Là tu te dis sympa, sympa, envie d'aller dehors dans le froid. Parce que McDo, est-ce que t'as envie d'aller dehors dans le froid alors que je peux rester ici?
Mais sinon, ce matin, j'ai vraiment tout terminé, ce que je devais terminer. Juste, il faudrait que je réponde à quelques mails. Comme je me concentre 100% sur le contenu, j'en oublie un peu mes mails. J'ai posté, du coup, le vlogmas que vous avez vu hier. J'ai posté la vidéo de samedi, donc de demain, pour vous. Donc en termes de taf, c'est tout va bien, 10 sur 10 on adore. En termes de santé, là ça décline. Surtout que je vous ai pas encore dit, mais ce week-end, je pars en Normandie chez mon cousin. Voilà, je vous reparle de la Normandie plus tard, on fait ça. Je vais aller chercher japonais, je vais me couvrir comme jamais. Et je pense que la soupe miso, ça va me faire du bien. J'ai trouvé ça, Berroca goût orange. Je déteste l'orange, mais je crois que là... faut souffrir pour survivre. En plus de commencer à être bien malade, ça fait genre une semaine que j'ai la paupière gauche qui cligne toute seule. Donc comme c'est probablement un manque de magnésium ou je ne sais quelle bêtise, je vais prendre ça en espérant ne pas mourir. Et après je vais chez les Japonais. Ouais mais c'est énorme, la vessie elle est énorme. Pour me réconforter un peu, ça va pas du tout vraiment, genre ça ne va pas mieux. Je vais manger devant un petit truc. Il y a toujours les ouvriers, normalement ils finissent bientôt, j'espère. J'en peux plus. Je savais que j'étais malade ce matin, mais pas à ce point-là. C'est-à-dire que là, genre ça y est, j'ai chaud, j'ai des courbatures. Je vais manger tranquillement et je vous reprendrai quand ça sera plus calme et que je serai un peu en meilleur état. Je vais essayer de me faire ressusciter de la meilleure manière que je puisse. Je sais pas encore ce que je vais faire, mais je vais essayer de trouver une solution. Merry Christmas, baby. Reindeer's coming out to play. La pizza de la maman. Bon. Je suis officiellement malade, officiellement non, parce que j'ai pas encore de diagnostic médical, mais je suis en train d'essayer de trouver un rendez-vous pour aller chez le médecin demain, parce qu'en fait, la dernière fois que je vous ai parlé, c'était après mon déj, que j'ai eu du mal à finir, parce qu'en fait j'avais pas faim, ma soupe miso elle était froide, donc j'avais trop le seum. Et en fait, après avoir laborieusement terminé mon plat, je suis montée, je me suis posée dans le lit, et là j'ai dit wow, faut faire une sieste, sinon on va mourir. Du coup j'ai fait une sieste, j'ai mis un réveil une heure après, que le temps que je m'endorme et tout, je me suis dit c'est bien, je vais dormir 40 minutes. Que nenni 3 heures, j'ai dormi 3 heures. C'est Alex qui m'a réveillé quand il est rentré à 19h. Voilà. J'ai tous les symptômes d'une grippe ou un angine. À voir ce qu'on me dit demain, si j'arrive à trouver un rendez-vous. C'est super fun. Je suis à ça d'aller me faire un test Covid demain parce que j'ai une pharmacie qui fait les tests pas très loin de chez moi. Franchement, je pense pas que ça soit le Covid, mais j'espère pas. Une fois, ça m'a suffi. Voilà, je l'ai eu une fois. Je l'ai eu une fois quand ? Ah ! On l'a eu deux fois. Été 2021, été 2022. Là, j'ai cet énorme pull. En fait, je vais l'enlever parce que je suis en train de crever de chaud. C'est vraiment typique truc de trop chaud, trop froid. Vraiment, j'ai trop le seum que ce soit deuxième vlogmas comme ça. Don't worry, ça ne sera pas comme ça tout le temps. Je vais tout faire pour me guérir au plus vite. Mais pour que vous ayez quand même un peu de contenu sympa, je vais vous faire ma skincare et probablement vous partager ma wishlist pour Noël slash anniversaire. Vous le savez peut-être pas encore, mais je suis Jésus. C'est moi que vous attendez tout le mois de décembre. On vous l'a pas dit. Surprise. Bon allez, on va manger encore super sainement. Franchement, deux jours de vlogmas, c'est catastrophique ce qu'on mange. Je vous promets que c'est pas tout le temps comme ça, mais là, en vrai, c'est qu'on a plus rien à manger dans le frigo là, mais comme on part en week-end, je pense qu'on va faire des bonnes grosses courses en rentrant. Bon app. J'ai trop ça. En même temps que je fais les cadeaux de Noël, je pense, parce que là je vais aller me coucher, genre vraiment je suis trop faible. J'ai pas trouvé de rendez-vous médical pour demain, donc à tout moment je me chauffe à aller chez SOS médecin, histoire d'avoir une ordonnance ou un truc au plus vite. Je vous ai même pas parlé de la Normandie etc, mais je vous expliquerai tout demain, du coup lundi vous verrez tout. Je vais quand même faire un minimum de skincare routine avec vous pour vous montrer un peu ce que je fais, à savoir que ça change. J'aime bien alterner des produits quand même. Vous excuserez la lumière et le background.
Déjà, c'est le truc le plus neutre que vous pouvez avoir de la salle de bain. Elle est pas très Pinterest, notre salle de bain. Et vu que je me suis pas maquillée aujourd'hui, je ne vais pas me démaquiller. Donc je ferai ça dans une autre vidéo pour vous montrer mon process. En tout cas, les produits que j'utilise. Ça, c'est ma hantise. À savoir quand même que j'ai changé de lunettes et que j'ai pris des lunettes exprès sans Bitonio là, pour pas avoir de traces, pour au final me rendre compte que bah ça m'en fait quand même. Les joies d'avoir un grand nez, voilà, j'adore. Première étape, obviously, on se lave les mains. Je vous avoue que vu mon état, je vais un peu faire une skincare de la flemme. C'est-à-dire que j'ai un peu la flemme de me mouiller le visage. Donc je vais passer de l'eau micellaire et je vais pas me nettoyer le visage. Voilà, ne m'en voulez pas. Moi je suis un peu de ce genre de personne, c'est un peu tout ou rien. Enfin, pas rien non plus, je respecte un minimum ma peau. Mais il y a des moments où je mets 10 milliards de produits et il y a d'autres jours où je m'arrête à 3 quoi, ça me suffit. Là je mets l'eau micellaire de chez Respire. J'en avais une de chez État Pur avant. Celle-là j'aime bien, elle sent bon et puis elle est plutôt douce, moi j'ai la peau assez sensible. Bon, j'ai dit que j'avais la flemme de me nettoyer le visage, mais au final il le faut. Vu l'état de mon coton, je vais utiliser du coup le petit format du Pre-Cleanse. Plutôt que Pre-Cleanse de chez Dermalogica. J'aime beaucoup leurs produits et ça c'est plutôt sympa pour justement enlever les impuretés avant de se nettoyer le visage. Donc ça c'est une solution bien huileuse qui te donne bien envie de mettre la tête sous l'eau après, tu vois. Ça va peut-être me faire du bien avant de dormir hein. Pour le nettoyage du visage, soit j'utilise Effa Clair de La Roche-Posay, soit la mousse nettoyante de État Pur. J'adore la forme du truc, je vais vous montrer. Enfin, en vrai, les deux, j'alterne. Je suis mouillée le visage. J'adore. Je suis toute propre. On va passer aux soins. En ce moment, le soir, je mets le sérum Olaplump de chez Hulé et la crème hydratante de chez Dermalogica, qui est la Skin Smoothing Cream. Dernière étape, mais pas des moindres, celle que je n'oublie jamais depuis des années, vraiment je ne vais pas au lit sans ça, Aquaphor. My Bay de Pure Roaccutane, donc depuis 7 ans, c'est le produit que je rachète le plus je pense. C'est un baume réparateur que du coup je mets en masque sur les lèvres toute la nuit, j'en mets la nuit mais la journée aussi, et c'est absolument génial, même si vous avez des petites plaies, pour la cicatrisation c'est incroyable, et ça l'hiver pour les lèvres gercées, quand vous avez des lèvres vraiment gercées, c'est... pépite. Le vlog va s'arrêter ici. J'espère que vous avez quand même kiffé malgré le fait que je sois au bout de ma life tout au long de la vidéo. Voilà, c'est le jeu des vlogmas aussi. J'avais pas prévu de tomber malade aussi rapidement, mais en espérant que je me remette vite et qu'on n'en parle plus durant tous ces vlogmas. Demain du coup je vais me faire tester histoire d'être sûre et de pouvoir partir même si j'ai une petite grippe ou quoi ce week-end, pour que vous ayez du contenu cool lundi. Demain vous avez le vlog de Fuerteventura, donc ça pour le coup la vidéo est incroyable, donc j'espère que vous me pardonnerez pour ce petit vlog toute malade. Demain je suis dans un meilleur état, je suis toute bronzée au soleil, genre vraiment c'est un autre mood. Comme d'habitude, si vous voulez soutenir mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait, à activer la petite cloche pour les notifications et à me suivre sur les autres plateformes. Je réponds à tous vos commentaires, ça me fait vraiment très plaisir. Tous les retours que j'ai eu sur le premier vlogmas, déjà ça me touche énormément que de voir que ma communauté est au rendez-vous et que vous soutenez mes projets, et surtout de revenir sur YouTube vraiment aussi intensément. Genre vous le savez, vous l'avez toujours su, mais YouTube c'est ma plateforme de prédilection, c'est ma safe place, donc je suis vraiment heureuse de faire ça ici. Bon, très de blabla, il faudrait peut-être que j'aille dormir histoire de récupérer pendant cette nuit. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo et à lundi pour le prochain vlogmas. Ciao.